nouvelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. La décision rendue publique ce 14 août dans le but de freiner la propagation du coronavirus sera effective jusqu'au 15 septembre 2020. Initialement déclaré le 1er avril, l'état d'urgence devait durer 3 mois, mais a été prolongé jusqu'au 16 août 2020. Le Togo enregistre à ce jour 1173 cas confirmés de Covid-19, 868 guérisons et 27 décès. Les autorités zimbabwéennes ont à nouveau assoupli les mesures de restriction prises pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. Une décision justifiée par la forte augmentation du nombre de guérisons au cours des derniers jours. Parmi les nouvelles mesures, les heures d'ouverture des entreprises qui étaient fixées à 15h ont été prolongées à 16h30, tandis que le couvre-feu de 18h à 6h du matin a été prolongé de 20h à 6h. Ce 18 août, le Zimbabwe avait enregistré 4105 guérisons dans tout le pays. Bientôt la mise en place des dispositifs de tests Covid-19 dans les zones frontalières du Cameroun. Le ministère de la Santé publique et une entreprise coréenne ont conclu ce 18 août un accord irrelatif à Yaoundé. Il s'agit de la prise en charge des passagers à leur arrivée pour vérifier s'ils ont effectué un test Covid-19 datant d'au moins 72 heures et de désinfecter leurs bagages. Le Cameroun a recensé au 18 août 2020 18 469 cas confirmés de Covid-19 et 401 décès. Le Rwanda va débuter la réalisation de tests d'antigènes pour diagnostiquer le coronavirus au cours des prochains jours. Pour atteindre cet objectif, une société a fait un don de kits de tests aux centrales biomédicales du Rwanda dans le but d'accélérer les tests Covid-19 et à réduire les coûts associés. Les kits de tests d'antigènes aideront à fournir des résultats de Covid-19 en 30 minutes. Actuellement, le Rwanda a la capacité d'effectuer 5000 tests Covid-19 par jour. Le pays compte désormais 2577 cas d'infection avec 10 décès. La Libye a enregistré ce 18 août 407 nouveaux cas de Covid-19, portant le nombre total des cas confirmés dans le pays à 8579. Le ministère de la Santé a par ailleurs signalé 36 nouvelles guérisons et 4 décès supplémentaires, portant à 969 le nombre total de guérisons dans le pays pour 157 décès. Les autorités ont revu les mesures de précaution contre la pandémie, en particulier dans les centres d'immigration illégale ainsi que dans les institutions de réforme et de réhabilitation.